Yo, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Ça y est, je suis enfin niveau 3 du rang d'Iris et c'est le grand jour, je vais enfin pouvoir améliorer la carapace du gouffre. Donc voilà, qui à l'avenir s'appellera sûrement la nécrochasme, voilà. Donc, vous avez pu voir d'ailleurs que j'en ai looté une deuxième sans le vouloir, hein, en faisant les contrats tout simplement. Donc voilà, où j'en étais. Tout simplement, il fallait faire des kills, tuer des membres de la ruche pour remplir ce rond en vert. Donc un certain nombre, je sais pas la quantité exacte, mais je pense une centaine, peut-être un peu plus. Voilà. Et vous voyez qu'il me manque juste une orbe d'embaumement. Donc tout simplement, l'orbe d'embaumement, je vais la trouver, hop, à Eris là-bas. Donc une fois que vous êtes passé niveau 3, vous vous rendez juste ici, à Eris Morn. Voilà, tout simplement, et l'orbe d'embaumement, elle est ici. Voilà, donc ça me coûte 10 idoles noires. Et voilà. Donc je vais l'acheter tout de suite. Hop, orbe d'embaumement. On va regarder ensemble ce que ça va faire. Je ne l'ai pas encore fait, hein, je sais pas du tout. Que ça va donner. Et c'est parti. Hop. Et voilà, c'est parti. Donc l'arme, elle s'est améliorée. Vous voyez, elle est passée en légendaire. Elle est passée de 136 d'attaque à 272. Elle peut monter jusqu'à 324. Vraiment intéressant. Un gros chargeur. Franchement, un gros chargeur. 42 balles. Voilà, donc les frags de mêlée augmentent temporairement la vitesse de rechargement de cette arme. Donc d'accord, c'est les kills au coup de poing. Hop, sangle à poing. Après ça, c'est tac. L'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée pratique de cette arme. Voilà, donc en fait, quand vous visez, la portée sera améliorée. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se rendre en orbite. On va aller... Ah, mais on va aller tester cette arme, pardon. Je vous dis à tout de suite, je vais aller tester cette arme. Omnigule est malicieuse et désespérée. Et re-légende, vous voyez, lumière. On se retrouve. Ça y est, j'ai lancé en fait un assaut de niveau 26, donc proche de l'avant-garde. Voilà, je me retrouve ici, donc dans l'assaut de Omnigule. L'assaut du DLC, bien évidemment. Donc voilà, donc on va tester cette arme. Vous voyez que pour l'instant, donc les rebuts, tous les ennemis sont au niveau 26. Ça fait pas mal, quand même pas mal de dégâts. Bon, il y a mieux, il n'y a pas de... Pour l'instant, vous voyez que c'est encore une arme de dégâts... Enfin, il n'y a pas de dégâts particuliers. Vous voyez que c'est encore une arme blanche. Voilà. Donc elle fait pas de dégâts particuliers. C'est vrai qu'elle est assez efficace. J'ai quand même hâte de l'améliorer. Donc voilà, je vais l'améliorer à fond. Sachant que normalement la dernière amélioration, voilà, il faudra l'essence de Cropta, donc ça sera l'amélioration qui permettra de la passer en arme exotique. Et que cet élément, donc l'essence de Cropta, on pourra le looter uniquement à la fin du raid en hard, donc en niveau 33 qui sera disponible au mois de janvier. Donc voilà, donc je pense un élément quand même assez compliqué à avoir, pas évident. Je ne sais pas non plus si toute l'équipe le lootera ou si ça sera un peu aléatoire comme la Vex à l'époque. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Ciao tout le monde!